Et bonjour à tous! Bienvenue sur ce ZEvent 2021. Action contre la faim. Ça va être trop bien. Trop de trucs prévus avec plein de gens différents. J'ai prévu des grands classiques, bien sûr, les petites intras sur League of Legends. La run Dark Souls, bien sûr, de l'année, hein, parce que ça fait déjà 3 ans ou 2. Ouais, ça fait 3 ans que je fais une run Dark Souls. Et écoutez, actuellement, je tiens juste à vous montrer, je suis en jean. Donc c'est une abomination. Voilà. Pour ceux qui sont devant un ordinateur et vous êtes en jean, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, ça s'est mis à jour tout seul! Nous sommes les seuls à avoir développé dans la Sardash Entertainment Company un goal qui se met à jour automatiquement. Voilà. GG à mon équipe. Vraiment, on applaudit mon équipe dans le chat. Ce travail est incroyable. Non, non, c'est un truc de ouf. Du coup, Nicolas Crio, maire de la ville de Guérande. Alors, je tiens quand même à dire que ce n'est pas un CM. Je lui ai parlé en DM, ce n'est pas un CM, c'est vraiment lui. Il m'a parlé gentiment, il m'a dit ouais, c'est juste voilà, ça nous fait plaisir de montrer un petit peu notre culture, de la culture du sel, des paludiers, tout ça. On aimerait te faire visiter Guérande, te montrer un petit peu comment on récolte le sel. Dinguerie, dinguerie, un crack. Vraiment, il aime trop sa région, il aime trop sa région. Si on atteint le donation goal des 100 000 euros, je pourrais peut-être postuler sur Popcorn en direct ici. Je pourrais aller voir Domingo, lui dire Domingo, est-ce que je peux participer à l'émission Popcorn? Et il me dira peut-être oui. Peut-être non, c'est pas. En tout cas, je postule à 100 000, hein, ça c'est sûr. Les gars, Billy, il a mis un goal, je me tape à la boxe contre Sardoche. Et moi, j'ai mis, je me tape à la boxe contre Billy. Si on va moins vite que pour atteindre les 50 000 euros, je vais très très mal le prendre. Voilà. Excusez-moi, je me mets en caleçon. Enfin, je veux dire, streamer en jean, enfin, je veux dire, en 2021, c'est cringe. C'est très cringe. Oh, il est bien ce caleçon en plus parce que pff, il est un peu ample et tout. Il y a petite ficelle pour serrer, c'est parfait. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque je me mettais vraiment en caleçon. Mais c'était pour le troll parce qu'après je mettais un short. Mais en fait je me faisais ban Twitch pour de vrai. Il y a Ben, il m'avait dit à l'époque où je sais plus qui c'était. On est pas mieux là quand même? Ah, c'est mieux quand même. Hein. Ah, c'est parti, on va pouvoir streamer. Là, typiquement, je viens de passer de Diamant 2 à Master 350 LP. Hein. En comme ça, claquement de doigts, boum. Je suis désolé pour l'intro Best of Sardoche. Un vote a eu lieu et en fait le vote il y avait un seul participant, donc c'était quand même démocratique, mais juste l'échantillon de personnes qui pouvaient voter était très réduit, c'était juste ma mère. Je lui ai demandé de choisir entre Paul Pogba et Karim Benzema, elle m'a dit Paul Pogba. Elle m'a dit en plus il y a des dramas sur Benzema, Paul Pogba c'est la classe. T'en fais deux d'intro. Je fais deux intros et en fonction de s'il va en prison ou pas je mets l'autre. Ah, d'accord, on fait ça ouais. Oh là 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 là, merci beaucoup pour les... Attends, mais là j'ai eu un gros... 1000 euros 1000 euros, bordel, j'ai mon premier don de 1000 euros. Oh là là, je suis ému au bout de 20 minutes. Exode, il nous oublie pas, il est toujours là. Hé, hey, mange un piment. 1000 balles, tu manges un piment. 1000 euros, je mange un piment. Ah, c'est pas con, ça. Allez, mange un piment. Ah, il a mis 1000 balles. Mais je vais mourir. Prends un petit truc. Ah mais en vrai, putain, ça pourrait faire beaucoup de thunes, hein. Alors, but de Joloka, ça c'est 950 000 sur l'échelle de Scoville, on va éviter. Alors, les gens me disent, faut te laver les mains. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai prévu carrément d'avoir des gants. J'ai prévu ces gants. À la base, c'est mes gants de course. Alors, j'aurais peut-être dû prendre des gants en caoutchouc, mais ils sont quand même épais, quoi. Donc, voilà, c'est obligatoire, en fait. Quand je vais utiliser les piments, je vais les prendre avec les mains, comme ça. Obligé, en fait, obligé. Parce qu'en fait, si jamais je me touche les yeux alors que j'ai mangé un piment avant et que c'est genre un Carolina Reaper, pour le coup, je peux devenir aveugle, donc on va éviter. Il y a eu un don de 1000 euros de notre ami Exode, donc je vais goûter un piment. C'est vraiment parce qu'il y a eu un don de 1000 euros. Mais normalement, je suis pas censé goûter les piments avant, mais je vais goûter un truc qui s'appelle le piment d'Amazonie. Alors attends, je vais quand même regarder avant l'échelle de Scoville. Je veux être sûr de moi là. 70 000, ok. Donc le Tabasco, c'est à 1000 pour vous donner une idée. Le Carolina Reaper, il a 1 200 000. Voilà à quoi il ressemble. C'est un piment jaune. Alors j'ai pas du tout de lait, j'ai même pas d'eau là, donc c'est un peu. Mais bon, 70 000 ça devrait aller, je pense. Oh, ça va être très, très plaisant, ça va être incroyable. Oh là là, demain. Ah, mais j'ai mangé avec l'autre main, je suis trop con. Il est très très bon, par contre. Non, mais je voulais me tester. 70 000, y a aucun problème. Non, par contre, je suis désolé, vous allez foutre de ma gueule. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. C'est incroyable, ça a tellement de saveur. Parce que y a des piments, ils sont dégueulasses, hein, c'est juste pour t'arracher. Mais là, le piment d'Amazonie, c'est un délice. Attends, je veux tester. Non, Clément, c'est la merde ou pas là? En fait, j'aimerais bien que tu goûtes un petit piment. En fait, je veux voir si c'est moi qui ai maladie ou s'ils sont vraiment pas piquants. Attends. Mais en fait, mange même un micro boost, tu veux. Non, mais pas autant. Dis-moi si tu sens que ça pique ou pas. Ça va en vrai? Ah ouais, c'est chaud? Ah ouais, tu me laisses? Donc ça pique vraiment quand même? Ouais? Ah ouais? Ok. Donc ça, tu penses que ça peut mettre mal certaines personnes? Ok. Bon bah c'est bien ce que je pensais. En gros ça peut mettre très très mal certaines personnes. C'est quand même qu'il y a quelque chose quoi. Ah 3300. Ah donc on doit faire l'intro Best of Sardoche comme ça là, sans prévenir. Mais attends, mais là j'ai raté des dons à de fou. Oh, ça m'embête beaucoup là. Ceci étant dit, l'introduction Best of Sardoche. Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team? Paul. Oh ça tremble. Oh là là. Oh là, il faut que je l'ai mieux. Attends, je vais mettre de l'eau. Paul. Ouais, faut le tenir, c'est très important. Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team? Paul Pogba. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a?
Ah mais je crois qu'il devait refaire son intro. C'était ça le truc avec avec Start. Du coup là il se fait l'intégrale. Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team? Karim Benzema. C'est pas mal en vrai Karim Benzema. Dommage qu'on fasse Paul Pogba parce que ça sonnait bien je trouve. C'est pas grave. Pogba. Ah c'est un peu nul. Non mais attends, j'enregistre mon intro. Je fais chier tout le monde hein, mais bon c'est que le début du live. Hein. Et salut à tous. Wesh. Comment salut. Allez-vous? Tout le monde connaît les règles, c'est bon? J'ai jamais joué mais je suppose. Ok, en gros t'écris une phrase et la phrase que tu vas écrire les gens vont devoir la dessiner. Ça ressemble pas du tout mais... C'est un bâton. S'il y en a qui arrivent à déchiffrer mon dessin, vous êtes vraiment fort. Non mais frère, c'est trop bidon là ce que j'ai. Ah, je suis une légende. Amine qui lui donne un biberon, t'es sérieux fake? C'était trop dur. Mais frérot, en fait, tu pensais que tout le monde allait mettre une canette. Dès le début, c'était fini. Attends, c'est mon daron. Mais il est sérieux, Sardoche, ce chien? C'est mon daron, ça? Mais je vais lui présenter mon daron. Depuis tout à l'heure, ça me termine. Ah, c'est chaud. C'est moi qui ai dessiné en plus. Ah c'était ça. C'est une abomination. Pour la cunette, c'était meute. C'est moi qui rentre par terre là. Non ouais. T'es un bâtard. Oh. Putain. Putain mais Sardoche, t'as jamais vu de près, t'as un problème aux yeux ou... T'as pas vu la photo? La photo où il est de face, ils avaient... Le S sur le caleçon, c'était bonne idée. Je suis désolé, voilà, je suis désolé les gars, je m'excuse. Ah, attends mais il m'a reconnu en plus, mais c'est quoi cette merde? Bien sûr. Mais c'est encore pire. Non mais sale merde. Mais toi c'est qui décide comme ça? Mais attends. Mais vous êtes trop fort. Waouh. Et c'est quoi ce dessin, frère? Y'a pire que moi, frère. Mais attends, mais Amaru, c'est un crack. Les amis, je vais lancer Jump King. Voilà, je vais lancer Jump King. Jeu auquel je n'ai jamais joué. Apparemment, c'est un jeu. Moi, j'ai toujours dit que c'était un jeu facile. Ouais, je vous le dis, moi, je suis persuadé que Jump King est absolument évident à finir. Et je pense que les gens qui disent que c'est un jeu difficile sont des fous furieux. En gros, si vous voulez, vous restez appuyé sur espace. Et plus vous restez appuyé longtemps sur espace, plus ça saute haut. Et donc en fait le but c'est d'arriver à doser les sauts pour pas tomber en fait, vous voyez. En fait si jamais vous faites un saut trop fort par exemple et vous rebondissez, genre imaginons je fais ça, vous tombez potentiellement tout en bas. Et donc c'est vraiment un jeu de merde. Normalement tous les sons sont sur le même BPM. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très important. Donc en fait l'idée c'est que je peux compter dans ma tête 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et ça fera tout le temps le même saut, vous voyez. Oh les 500 balles Kata, merci beaucoup. Bah du coup je mangerai un piment d'Amazonie à chaque don de 500 euros. On est sur du quasiment 100 000 échelle de Scoville. Y a pas besoin de gants, je pense 80 000 est-ce qu'il y a besoin de... Bon je sais pas. Bon en tout cas... Oh ça tape direct. En fait j'ai fait goûter à Clément et ça l'a détruit. Il a mangé un 15ème de ce que je viens de manger, il était en sueur. En fait c'est bizarre parce que dès que je l'ai en bouche ça va. Mais le premier contact avec ma bouche, elle est en mode wow, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, tac. Ah oui! 1. Oh fuck. Oh, c'est dur quand même. C'est dur quand même. 1, 2, tac. Ah, qu'est-ce qu'il en a chauffé? Oh non, c'est l'un d'ailleurs. Non! Pourquoi j'ai fait ça, la con de moi? Mais ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, putain. Attends, mais faut que je mette les musiques du jeu, non? Attends, j'ai vraiment pas lancé une game depuis des millénaires, j'ai juste fait mes binds. Je sais pas si... bah déjà, j'ai choisi le bon côté, bah non, en fait. J'ai pas du tout choisi le bon côté. Putain, je suis vraiment con. Impossible que je meure, en fait. Il y a aucune chance que je me fasse tuer dans cette run. Jamais je ne mourrai. Je suis en train de tester mon karma pour les événements. Je me dis. Oh putain. Oh non. Oh Kolasha Kalenda Kayosha. Oh le karma est si bon. Oh là là, c'est le Z-Event ça. Je le savais. Je le savais que c'était un grand cru. Mais attends, mais c'est la finale. Je peux vraiment gagner par contre. Non, mais attends, vrai bail là. J'avais une technique en plus sur cette map, mais je m'en rappelle plus. Ah, mais il y a de l'eau maintenant. Ah ouais, mais là je connais pas ça. Je sais pas ce que ça fait. Ok, on s'en fout. Je vais passer là, je pense. Enfin, je suis en full analyse là. J'espère qu'il va pas me grab l'autre là. Oh, pas mal. Pas mal. Oh non. Il est tombé je crois. Ah non putain non. Oh, mais attends, mais je vais peut-être gagner en fait. Comment on grab déjà? Oh, je sais pas si j'ai bindé le grab. Mais putain, mais j'ai gagné ma première. Mais vous rendez compte de mon level ou pas? Non mais attends, mais c'est fou. C'est fou ce qui est proposé. Mais le gameplay, mais c'est incroyable. C'est juste un top 1, mérité hein. Y'a aucun moment où j'aurais pu de choke. Panique pas, t'as le temps. Prends ton temps. Tranquille,
Bien joué, c'est bon. Oh, c'est fait. Panique pas, c'est très bien ce que tu fais. C'est très bien. Tu es grand. Voilà, tu l'as baisé. Prends ton temps. Oui, mec. Oui. La désillusion. Il a pas résisté à la pression. Il n'a pas le droit, frère. Tu manges un insecte et je nous en fais manger un? Deux, en vrai, vas-y, moi j'ai mangé des piments, là j'ai plus de goût, donc ramène un insecte et ramène chat. Ah, c'est... Oh là, c'est ça. Oh, c'est gros quand même, hein. Ouais. Oh putain, les croquis, il est énorme. Tu verras, c'est pas très bon, hein, je suis désolé de te le dire, mais... Tu veux un petit piment avec toi, accompagné? Il y en a qui ont des normales, il y en a qui ont des graves... Ok, un petit, hein. Développés... Amazonie, 80 000. Non mais il a vraiment dit 80 000, Scoville, ça va? Oui, il a dit ça. Ça va vraiment pas, on est d'accord. Non mais chat se fait baiser. T'inquiète. Oh, en plus il a... Ah, il le mange. Oh le con. Qui mange? C'est qui? Mais c'est Chap qui mange le piment. Oh le con. Oh le con. C'est qui mange? C'est qui? Ça a bien ensemble. C'est Chap. Chap. Là les gars, je passe au moins deux tours. Si, ça a bien ensemble. C'est il l'a craché, je crois. Ah, c'est Domingo? Chap. Domi est chaud. Gigi est pas mal, je crois. Ah, c'est bon. Il a fait sacrifice tout à l'heure, mais il est chaud. Le petit criquet là? C'est piquant ou pas? Non, mais le goût dégueulasse, c'est le criquet. C'est pas mon piment. Mon piment, il a bon goût. Ah. 998 728. On va y arriver, mesdames et messieurs. Avant minuit, le million d'euros. Oh, on l'a fait tellement vite. Mais attends, l'année dernière c'était à midi le lendemain. Mais attends, mais sérieux, on l'a fait en 5 heures. Mais attends, mais c'est un délire. Attends, mais là c'est, les gars, on fait 10 millions, on bat le record du monde, hein. Mais on bat le record du monde de tous les trucs de donation de l'histoire de l'humanité, en fait. Samedi à 19h, on l'avait fait en 25h l'année dernière. Là on l'a fait en 5. On allait 5 fois plus vite. Je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai, je vais y aller, je pense. Attends, je vais y aller. Les 3 secrets pour avoir une garde infranchissable. Ça, c'est bon, ça. Oh, putain, il met des coups quand même, hein. Oh, c'est des vrais coups qu'il met. C'est ouf, comment il a fait? Non, mais sérieux. Non, parce qu'il bougeait à chaque fois. Tu sais, c'est comme les mecs sur Smash Bros qui shield tilt, en fait. Genre, il faisait des micro-mouvements et ça tankait tout. Ah ouais, en fait, il met des petits coups pour ton... Ah oui, mais c'est ça, en fait. Il met des coups au cou, en fait, pour les contrer. C'est comme sur Rocket League. C'est pareil. Il faut que j'arrive à déjà avoir plus de souplesse sur les bras. En fait, le problème, c'est que j'ai des triceps et des biceps beaucoup trop gros, en fait. Donc dès qu'il s'agit de rapprocher mes coudes, j'y arrive pas. J'ai trop de muscles. Je peux pas faire ce que je veux avec mes coudes. C'est un gros handicap, hein. Je vous jure que ce mec-là, Etchebox, c'est incroyable. Non mais vraiment, il a l'air trop sympa. Ah, c'est pas mal. Je tiens quelque chose, là. Non, franchement, je fume Billy, en vrai. Non, c'est sûr. Il va se fatiguer, je vais tout tanker facilement. Faut que je demande à Morgan de me faire un cours. J'ai trop envie de faire un cours avec Morgan. Mais je pense pas qu'il voudra. Je sais pas s'il a le temps. J'aimerais bien qu'il me coache un peu. Non mais c'est notre rôle. Parce qu'en fait j'ai un combat à 50 000. Mais c'est vrai. Morgan, il a dit oui. Bah vas-y. Il y a Morgan qui arrive. Oh, let's go. Morgan me coach en boxe pour préparer mon combat des 50k euros contre Billy. Tu mets ça en bol, tu te mets des coups et à un moment, boum, tu vas en mettre un seul tour. Et il est mort. Ah, Sardoche, tu bouges bien. Hein. Imagine un méchant que t'aimes pas. Wesh, les coups. Mais vous avez plus de dents. Ça va trop vite. Ah, ça va trop vite, là. C'est ça, Sardoche. Ouais, ouais. Encore. C'est bien. Ouais, ouais. Allez, Sardoche. Ouais, ouais. Ouais. Oh, la garde haute, Bouge, bouge, wesh. T'arrêtes pas de bouger. Wow. Tape du gauche, la compte, tu ne tapes pas à gauche. Tu ne protèges jamais. Voilà. Oh, le coach du sport, il est chaud. C'est bon, drink. Ouais. C'est bon, t'es en train de gagner là. Tu rendis là à toi. Et là, dis-toi, demain, ça va être 3 fois plus facile. Ah, bravo. Ouais. En vrai, c'était giga fun, putain, c'est trop bien. En fait, c'est con, j'ai pas de cardio parce que ça pourrait être plus drôle si je pouvais faire plus longtemps. Mais là, au bout de 1 round et demi, j'étais déjà. J'aurais plus à bouger. En fait, j'ai fait l'erreur que vous m'avez dit. Quand je tapais,
Je respirais pas en fait. Puis au début j'avais peur de taper, au fur et à mesure j'ai compris que de toute façon, même s'il bougeait pas et que je tapais toutes mes forces, j'aurais pas fait mal. Bah en vrai ça va, les coups de gants ils font pas très mal, après je pense qu'il a été giga sympa, mais il y a des fois il a mis des petits directs un peu puissants. À la caméra ça devait avoir l'air d'être des tout petits coups de merde, mais de mon côté moi je les voyais arriver vachement vite. Je me doute qu'il pouvait faire peut-être aller 5 fois plus puissant, voire 10, mais ça va. Je pense que Billy sera sympa et même, enfin ça devrait aller je pense. C'est pas. Ouais ouais ouais. Yo. Bon, tu vas mec, putain. Écoute, ça va là, mieux, éreinté hein, parce que tu as vécu. Ah, ça va un peu mieux là, c'était pas évident, je t'avoue. Ouais bah je comprends. Ah, c'était plus intense que prévu ouais. Ton sparring partner c'était pas non plus n'importe qui aussi hein. On se le dit. Ah là il était sympa quand même mais bon. Ouais il était sympa mais bon. Ah alors je suis pas du tout dessus. J'attends okay, le rebond. C'est mûr. Ouais pas mal. J'attends le rebond, c'était propre. Non super. Super, bien lu de ma part, c'est exceptionnel. Je peux tirer là. C'est une page quoi. Oh oui. Oh mais on est trop fort sur ça. Non Kenny. Oh c'est magnifique. Kenny. On est trop fort. Mec le but est trop beau. Oh mec. Oh bien. Ah mec bien. Quand il faut en mettre on en met hein. Celle-là elle était pas mal. Ah oui. C'est le wall read. C'est le wall read mais comme dans, ah les, ouais. Comme dans les clips freestyle. Là j'ai presque pré-jump hein. Franchement je suis fier de moi. Il te la rend. Oh c'est excellent. Tu me régales. Je les bump. Mec c'est peut-être le tir du siècle. Tu double tap. Oh Kenny stream. Kenny stream. Oh là 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 là. On se fout de leur gueule en fait. Bienvenue pour cette matinale exceptionnelle en ma compagnie pour ce Zedeven jour 2, bienvenue à tous. Ah quel plaisir. Bon les amis, un peu de pression cette nuit, je vais pas vous mentir, je me suis réveillé en sursaut. Dites-vous que je suis tombé de mon lit. Pour vous raconter l'histoire, ça fait longtemps que je suis pas tombé de mon lit. Mais alors c'était pas le piment, hein. C'était pas du tout le piment, c'était... Aïe, j'ai trollé, j'avais plus de batterie dans mon téléphone, je suis rentré, j'avais pas ramené mon chargeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois dormir 3h, je me couche à 7h. Le but c'est de me lever à 9h30 pour lancer à 10h. Important parce que je veux dormir 3 heures par jour maximum, donc je veux dormir 6 heures au total. Pas de réveil, je me réveille à 9h20, j'ai dormi 2h30 et je suis en mode quelle heure il est. Alors je regarde la nuit, je regarde la position du soleil, je me dis il doit être entre 9h et 10h. J'appelle la réception, je leur fais il est quelle heure. Ils me font il est 9h30, je suis en mode j'ai juste clutch en fait. Et je lui fais vas-y rappelez-moi à 10h, je me fous couler un bain, je vais dans mon lit. Le téléphone sonne à 10h, je rentre dans mon bain et me voici à 10h20 tout frais. Donc là c'est extraordinaire, ça a été clutch hein, parce que j'aurais très bien pu me lever à 18h. Quel plaisir d'être avec vous. Pour vous donner une idée, pour vous teaser un petit peu, le tabasco, pour ceux qui trouvent ça piquant, c'est à 1000 sur l'échelle de Scoville. Mon piment le moins fort est à 10 000 jusqu'à 1 400 000, 1 500 000. Alors comment est-ce qu'on évalue ça? En fait, ce qui donne le coup pimenté, c'est une molécule qui s'appelle la capsaïcine. En fait, cette capsaïcine, elle se fixe sur les détecteurs de votre peau et ça envoie des signaux de douleur à votre cerveau. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, on conseille énormément aux gens de consommer de l'huile, donc des acides gras, avec du pain éventuellement. En fait, ça décolle la capsaïcine de votre bouche. Ça vous permet de moins sentir le piquant. Bon, les amis, on va se mettre en bouche. Donc là, on est sur l'échelle de Scoville, on doit être à 12. Hein. Mais l'int incroyable, vraiment, pour ça, c'est chocolat noir, hein. Chocolat très très noir. Hein. Ah c'est très bon, t'as pas le goût du piment par contre, c'est vraiment du chocolat. Alors là on va commencer par le piment ancho. Donc c'est un piment qui est assez proche du piment oiseau. Donc c'est extrêmement apprécié en Amérique du Sud ce piment, c'est pas extrêmement piquant. Alors, l'Amérique du Sud elle est pas connue comme une terre de piment hein. La terre de piment la plus connue c'est la Chine. La Chine, le Sichuan notamment. Et donc là on est à 4000, donc c'est juste pour goûter. Donc on est sur un piquant très léger, très bon, c'est bien pour cuisiner ça apparemment. C'est le truc qui te relève un peu ton plat et c'est agréable. Donc c'est le piment de chaud, c'était juste pour avoir une mise en bouche. Piment à notre feu, on est sur un piment extrêmement utilisé en Chine. Mais c'est l'équivalent du piment des casus en Chine. Donc c'est des petits anneaux, vous voyez. En fait c'est des piments qui ont été coupés en tranches quoi. Là on est sur du 8000 sur l'échelle de Scoville. Alors ce qui est incroyable avec celui-là, il a un goût citronné en fait. C'est piquant quand même. Mais c'est pas le piquant qui va te tabasser le ventre, c'est le piquant qui va juste t'enflammer un peu la bouche. Bon là je commence à avoir de la sueur alors qu'on est à 8000, donc inquiétez-vous quand même pour moi. Piment anneau de feu exceptionnel, c'est très goûtu le piment cheveux d'ange. Alors ils viennent de Chine, apparemment ils sont très piquants et très fruités. C'est des piments qui sont à 10000 sur l'échelle de Scoville, on commence à être un peu plus haut là. Ouais je vais goûter. On m'avait dit qu'ils étaient très fruités, voilà ça a pas vraiment de goût, ça pique pas vraiment. En fait je pense que comme ils sont tout fins, à mon avis ils doivent plus facilement perdre leur force culinaire. Ouais bon il est pas piquant du tout celui-là. Piment d'Amazonie, dans le même genre que les piments de Cayenne mais en beaucoup plus piquant. PA ! En fait je vais attendre qu'il arrive, je vais le manger.
pour qu'il se dise c'est tranquille. Je vais lui en donner un. Ce que je comptais faire là, c'était juste faire goûter un des piments. Ouais. C'est le premier de ma liste des piments forts. Mais tu sais que mec, moi, genre le paprika me met pas bien déjà. Bah, donc on va pas continuer après. Ouais, pense. Ouais, c'est chaud. Voilà, parce que lui c'est 1 500 000. C'est 1500 fois plus concentré en piquant que le Tabasco. Tu kiffes ça? Je vais goûter, mais je vais prendre un petit bout, tu vois. Donc, bon, celui-là, je vais le manger. Tu vas voir ma réaction. Ok, vas-y. En fait, ça met un petit coup de pont au début. Et après, ça se dilue tranquille. Mais okay, ça te démolit le bide, non? Parce que moi, oh la vache, chichi, gros, t'as ouvert la bouche, y a une odeur, mon frère. Ouais. De piment, bah c'est. Il est très riche. Non, mais vraiment, celui-là, gustativement, tu vois, je suis pas en train de mourir. Ok, t'es bon? Ah, ça brûle. Vas-y, vas-y, croque. T'as vu, ça met un petit punch, hein. Mais les goûts, les saveurs, apprécie. Ça va? J'en ai encore dans la dent. Non mais avoue qu'il a un goût de fou. Non mais en vrai. De dingue. Non mais en vrai. Pas de dingue. Tu veux, j'ai du Yop coco, chocolat. Non mais c'est, avoue que c'est une expérience à vivre une fois. C'est combien Scoville là? Ça c'est 80 000. On va continuer avec un piment qui s'appelle le piment pili pili. Ça veut dire piment très fort dans le dialecte africain Lingala. Ils disent pili pili pour dire piquant quoi. C'est un piment qui est antillais. Eux ils sont à 100 000 sur l'échelle de Scoville, donc c'est encore plus piquant que celui qu'on vient de faire là. Alors si j'ai le ok, c'est normal, c'est une réaction à mon corps qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors j'ai pas vraiment d'infos sur le pili pili au niveau du goût, donc je vais découvrir. Ah, il est très dense déjà. Oh, il est beaucoup moins fort que ce que je pensais. Ouais, je pense pas qu'il est à 100 000. C'est impossible. Là, lui, il me hype de fou. Parce qu'en fait, c'est un piment à 300 000 sur l'échelle de Scoville. Donc très très piquant. Là, on est sur quasiment un quart des piquants les plus forts du monde. La force de ce piment, apparemment, c'est qu'il a une saveur de tomate. Et qu'il est utilisé en cuisine dans les pays où vraiment ils ont rien à foutre. Ça ressemble un peu justement à une tomate cerise. Regardez, là, c'est sec évidemment. Donc c'est un peu plus gros d'habitude. Je pourrais pas le manger en entier, je vous le dis. C'est impossible. Ah, par contre, le pili pili vient de m'attaquer un peu plus tard là. Ah, y a des bombes à retardement sur les piments. Faudra me prévenir là, par contre là. Alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, l'Amazonie, il tape tout de suite et puis après il fait un peu moins fort. Le pili pili il tape pas et puis après il fait un peu fort. Le chocolat au piment, bah il reste un peu dans la gorge et si tu le sens gratter. Mais apparemment le carnet pas, il tape tout de suite et il te tape tout le temps et il te lâche pas jusqu'à ce que tu crèves. Ça c'est un détail ça. Je commence à avoir un peu chaud hein, parce que là c'est à dire qu'on enchaîne les piments. Salut. Yo. En fait on vient avec ça, j'ai envie d'écouter le chocolat au piment. On a le droit. Oh vas-y ouais t'inquiète. Mais il est pas piquant du tout hein. C'est juste il laisse un petit goût, c'est stylé. C'est bon hein. Ouais. Mais tu verras à la fin ça va te laisser un goût dans la gorge. Ouais. C'est marrant. C'est très bon et donner beaucoup d'argent pour beaucoup de piments. En fait, je crois que tu vas nourrir tout le Z20 ans. Bah vas-y, mais de toute façon, ça va être le but, hein, on va passer. Hein. Moi, je vais manger celui-là, c'est assez technique là. Je sais pas comment m'y prendre là. Bon, vas-y, je vais croquer dedans. En fait, il a vraiment le goût de tomate. Il est très très fort. En fait, il me fait penser au piment oiseau de la façon dont il reste dans la bouche. Et il attaque en continu quoi. Mais ouais, là, c'est toutes les petites graines à la con là. Là, c'est le traquenard. Hein. Tu veux tester? Tu veux tester quoi? En fait, je peux te faire goûter que ce que j'ai déjà goûté, pour des raisons de sécurité. Tu peux pour des raisons de sécurité? Ah ouf, il est dur, il est compliqué celui-là. D'abord, je vais te faire goûter celui-là parce que c'est le meilleur. Celui-là, c'est le meilleur. J'attends tes retours sur celui-là. Oh putain, mais il tape la gorge celui-là! Oh, fais attention à pas te mettre dans les yeux après, par contre. Lui, il est incroyable. Il est à 90 000. Ça tape un peu au début, et après, ça, c'est cool. Oh, c'est chaud. Le 300 000 là c'est une abomination génétique en fait. Là il est passé pour moi, c'est bon. Ouais mange à la moitié vraiment, pas plus. Tu vas... Mais essaie de goûter bien. Faites le goût. Ah c'est fort hein. Parle pas, tranquille, tout va bien. Non mais faut prendre des plus petits morceaux mec. Faut prendre des plus petits morceaux, c'est du trolling. T'as mangé ou pas? Ah non mais t'es un con aussi, tu viens en trollant. Faut manger du riz un petit peu. Donc là c'est le piment habanero. Donc ouais piment à 400 000. Ah. Ils sont très très mous. Oh là là, il a un bon goût. Oh là là, il a un petit goût sucré celui-là. Ah incroyable. Ah, le retour est pas arrivé. Ah, il est très fort. Ah, il est beaucoup plus Oh là là, c'est incroyable. Merde. Tu vas voir, il est un peu amer après et au début, il est un peu sucré. Juste après le sucré, il nique. Ouais, tu le trouves piquant? Enfin non, c'est pas piquant, c'est amer. Ah bah Nero, franchement, c'est celui qui est le plus intéressant qui s'ajoute quoi. Et après t'es sur du piment comme dans les plus forts. Là. C'est cool. Ça va, tu veux goûter un petit truc? Ouais. Faut que je mange le plus fort piment. Si tu veux manger le piment le plus fort, déjà faut que je l'ai testé d'abord. Ah ouais, c'est la première fois que je suis sur ma chaîne. Ouais, c'est la première fois, mec. En fait, déjà c'est dangereux. Et je savais que t'allais me dire je veux le plus piquant. En fait, moi je veux le plus piquant, on dirait. Mais là, je veux le cul sec, hein. Moi j'ai pas de grimace. Ferme-la. Ok, vas-y, on fait un truc. 1000 euros, je le mange. Non, je m'en fous. Je me fais ban Twitch en fait. Pourquoi? Bah, parce que tu vas mourir. Mais t'es un baiser, toi, c'est un piment, je vais pas mourir. Bon, vas-y, tu sais quoi? Les shonen, c'est dépassé. Mec, je vais te donner un piment qui est piquant. Ok. Mais qui est... Tu me donnes 500 euros si je le mange. Il est pas si piquant que ça. Je vais te donner 300 balles. Parce qu'il vaut 300 balles. Ok, vas-y, mais je te dégomme. Hein. T'avales? Bah oui, bien sûr. Ah ouais? Bah t'as dit que tu voulais un piment.
Non. Ça va? Ouais, c'est rien. Esprit Cholène, Esprit Cholène. Sa mère. Oh. Ça, c'est un sixième du plus fort. Oh non, mais attends, j'ai pire en pire là. Ah ouais? Ah bah oui, c'est dur. Hein. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Non, mais si tu trolls aussi. Après, tu veux faire bad ma chaîne Twitch avec tes conneries là. Bon, arrête de troller. On sait que tu fais semblant, ça te fait pas mal. Esprit Cholène. Mec, ça fait plaisir. Avoue que je t'ai sauvé la vie en te laissant pas manger le plus gros. Juste dis-moi que je t'ai épargné. Ok. Ça part quand là? De quoi? Bah c'est ça part quand? Mais non mais sérieux mec. La tête de One ça part bah, quand? Bah mange du yop Là c'est vraiment bah, c'est des couilles sa mère. Ouais t'es vraiment, t'as des couilles sa mère. Esprit Shonen. C'est mental, regarde. Non c'est pas mental, c'est physique. J'ai plus mal, j'ai rien. Non tu meurs mec, hein. Non je te laisserai pas, c'est pas possible. Après quand je bois ton truc je suis bien, mais quand je l'ai plus c'est pas possible. Ok là je vais refaire un défi sur ma cagnotte. Si je l'ai, je mange ton plus pimenté. Vas-y à toutes. En tout cas, Inox, quel génie. Ça va? Étoile l'Algérie? Renek ton player? Mais non. Bah, prends-moi ce micro, Étoile. Y a Inoxta qui vient de venir. Il a voulu manger le plus fort et je lui ai pas fait manger parce que je l'aurais tué. C'est bon. Non, mais tu veux pas trigger mon ego? Tu es la honte de ton pays si tu le manges. Oula, oula, oula! Il y a Jezel quand même. Ok, alors là, je vais te faire manger un piment que unanimement et tout le monde le trouve bon. C'est le piment Amazonie. Profite parce que c'est un moment unique dans ta vie. Oh, il a tanké la baffe au calme. Hein. Non, ça pique, c'est hardcore. Tu vois? Ça va? Mais il est bon ou pas? En vrai, c'est vraiment bon. Ouais, on est en vrai, il y a une bonne explosion de saveur. Tu sens que c'est intéressant. Tu vois. Enfin, ça me fait plaisir de voir que l'Algérie elle, est à la hauteur. Je suis algérien, je ne ressens rien. Je suis algérien, je n'ai pas envie de hurler. En fait, celui-là, finalement, il est assez proche de 90 000. En fait, c'est marqué 350 000. Mais si tu veux, tu as juste à pas prendre de graines. Tu prends juste le bord, tu sais. Ah ouais? On est ensemble. Non, ça va, on est ensemble. Waouh. Ah, c'est Xari maintenant. Moi, j'aime que la moutarde, tu vois. En fait, j'ai peur quand je chie que ça crame mon cul. Non, mais en fait, pas si je te donne un tout petit. Vas-y, donne-moi un bout de pain avec de l'huile et moi, je me tapisse la bouche avec. Genre. C'est celui-là. Ah, mais tu veux le préparer avant? Je me tapisse un peu la bouche, c'est pour avoir un peu de gras. C'est de la triche. Je suis la pire des salopes. Ah, ça prend le nez. Ah, t'as vu la petite baffe ou pas? Ça m'explose. Mais moi, j'ai un nez gros. Je peux fumer sous la douche, là, ça m'encule. Ouah. Mais attends, profite du goût. Avoue que c'est incroyable. T'as jamais mangé un truc comme ça. Va au-delà du piment. Ah mais moi je suis vraiment une merde gros. Bon je te laisse. Ouah. Vas-y bah courage hein. Ouais bah courage à toi. 30 000 putain on l'a fait. Oh les go les amis, let's go. Alors je vous explique juste mon donation goal suivant pour ceux qui sont intéressés. À 40 000 euros, je m'inscris au code en rentrant. Et 20 heures avant la date de mon examen, je lance un stream sur lequel j'apprends le code et j'y vais tout de suite et je reviens pour faire un débrief. Le tout sans dormir. Ça s'appelle un one shot pur et simple du code de la route. Mais là on est sur quelque chose de pas mal, le but de Joloka. C'est piment indien. Alors moi je mange beaucoup indien, mais je pense qu'on n'est pas sur le même niveau d'Inde. Donc là on va peut-être se faire Ganjen. Alors je vais le goûter, donc évidemment je vais pas le manger en entier. Là c'est 1 million, donc là on est quasiment sur les piments les plus forts du monde. Je vais manger la pointe là, donc vous voyez un petit peu comment il est. Je vais manger la pointe. Oh il est fruité, oh là là. Oh putain, oh là là. C'est un début de goût bubblegum mais pas chimique, genre naturel. Ah il arrache après ouais. Ah je suis obligé de regoûter, je suis désolé, c'est dur hein. Ça fait très très mal mais en fait il a un goût, je sais pas l'expliquer. C'est une dégustation là, j'ai pris plus de graines. Oh là là, il est incroyable. C'est le meilleur depuis le début. C'est alors là pour le coup, je pensais que ça allait être une dinguerie à la con, genre juste très piquant. Mais qu'est-ce qu'il a du goût? Une dinguerie. J'aurais pas dû reprendre une bouchée, c'était une erreur. Salut à toi. Oui, j'ai fait un petit coaching hier avec Morgan. J'ai vu, j'étais dans mon lit dans la chambre d'hôtel. Et t'as regardé quand je me suis fait déglinguer ou pas? Ouais, j'ai vu. Mais t'as senti que j'avais du potentiel ou pas? Absolument pas. En vrai, c'est comme LOL. Faut que tu kites le mec. Ouais. En fait. Genre vraiment, il faut que tu le mettes toute ta range pour le toucher. Ouais. En fait, c'est toucher sans se faire toucher. Du coup, à chaque fois que tu mets ton Q-spell, il faut que tu recules instant. Non, mais un truc que j'ai remarqué, c'est que déjà, quand j'attaque avec un point, faut que le deuxième il reste bien en défense. Parce que j'ai tendance à baisser mon deuxième bras. Ah oui, c'est ça. En fait, du coup, faut que je reste en garde. C'est quand tu mettais ton Q-spell, ton autre point c'était ton shield. Ouais. Et tu voulais pas avoir de shield en baissant l'autre main, c'est ridicule. Ouais. Il faut que tu laisses ton shield et il va te permettre de tanker plus en fait. Est-ce que t'es assez bon pour retenir un peu tes coups, aller vite quand même pour me mettre des dingueries, ouais. Mais que je sois pas en sang quoi. Non, bah après, t'as l'air assez squishy. Je vais te mettre super bien, mais peut-être pas dans le bon sens auquel tu penses. Tu veux goûter un petit truc? Du piment, ça? Ça, c'est un petit piment d'Amazonie. Allez. Il y a un monde où t'as jamais goûté un truc comme ça. Je vais lécher tout à l'heure, j'espère que je vais. Non, non, mais ça va rien faire. Ah. Lui, en plus, il tape au début et après, ça explose. Ah, il y a un petit moment quand même. Non, c'est bon. Tu pourras te venger, mec. Ah, mais putain, ça a monté de fou, il y a eu 4000, mec. 37 000 balles! Mais attends, mais il y a trop de temps, qu'est-ce qui se passe? Let's go! Mais attends, mais il s'est passé quoi? J'ai pris 4500? Merci à tous, go, incroyable! Go aux 50 000! Incroyable!
C'est l'armée des 1, mec, c'est l'armée des 1. Vas-y, Sardoche, pour live à toi, frérot. Vas-y, à toutes, merci beaucoup. Je l'adore, ça va être trop bien. Franchement, même s'il me met un petit coup de poing dans le nez, que ça fait mal. Dites à Lapi que s'il veut venir, je suis dispo. Ah, quel plaisir d'avoir Lapi, putain. Vas-y, je vais t'en prendre un qui est pas mal. C'est le. Alors, c'est un piment en plus qui est assez traditionnel au Mexique. Piment habanero. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un piment super amer. Et en fait, il a deux saveurs. Il a un goût fruité au début. Et après, ça devient très amer. Et après, ça devient très piquant. T'as eu trois étapes. Ouais, c'est parfait là. Il est intéressant quand même. Il y a des choses qui se passent quoi. Ah ouais? C'est censé venir après, c'est ça? Je sais pas, t'as peut-être pas pris de graines ou quoi, mais. Ok, ça tape. Quel boss la pie. Mais attends, je peux? Vas-y, vas-y. Ouais, prends les graines parce que ça arrache un peu plus les graines. Bon, ça me régale que tu sois à ce niveau. Mais je m'attendais pas à moins de quelqu'un qui fait des marathons 30 heures. On va manger un Trinidad Scorpion. Alors, 1,2 million sur l'échelle de Scoville. Donc là, on est passé de 1 million à 1,2 million. Donc ce qui est marrant, c'est que ça ressemble un peu à un dard de scorpion, tu sais. Ouais. C'est stylé un peu. Vas-y, on croque la moitié. Allez, hein, on essaie. À mon avis, c'est intense quand même. Hein. Bah écoute, bonne chance. Hein. Mec, c'est parti. Hein. Allez. Hein. Oh, il a un goût quand même assez plat. Ouais, de ouf. C'est mais pas... ils se ressemblent un peu tous, hein, je trouve. Hein. Ça pique. Il fait chaud, il y a des petites sueurs, bien tranquille, sûr. Tranquille, tranquille. Bien sûr. Aïe, 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 aïe. Un piment, celui que t'as mangé tout à l'heure, pour le montrer. Ouais, pas de soucis. C'est une graine de je sais pas quoi, là. Voilà, mange bien, mon petit. C'est bien. T'inquiète, c'est le mental, c'est l'esprit shonen. Gros, ça a dévié la gorge. Tu lui as donné le piment? Mais ça a dévié la gorge. Il te l'a donné? En entier? Normalement, faut pas manger en entier. Attends, vas-y, attends, y'a un problème là. Y'a Inox qui fait des dingueries là. Putain, mais t'es trop con. Attends, donne-lui ça. Ouais, merde. Prends ça, mec. Ça sauve. Hein. Oh, t'es en train de chialer. T'as vu, il est hard. Hein. Faut avoir les reins solides. Hein. Oh, les gars, celui-là, il est sale. Bon, mec, j'ouvre, j'inaugure les Naga. Naga, donc un peuple de l'eau. J'adore. Mais là, c'est pas vraiment l'eau, là, c'est plus le feu. Hein. 1 300 000 échelle de Scoville. Oh putain, ça accroustille par rapport aux autres. Ouais, ça tape un peu. Objectivement, hein. On le sent. Là, moi en dessous, ici, là. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et quand tu respires, là, tu as final, quoi. T'as des petites gouttes de sueur ou pas? Non, moi, ça va. Mec, ils ont une petite gueule sympa quand même. Ils font un peu peur. Je vais pas mytho. Allez, let's go. Hein. Je sais pas quel côté est le pire. Est-ce que c'est la pointe? Non, bah c'est le cœur. Hein. C'est le cœur. On tape un peu le côté de la pointe. Ouais, on va faire ça. Voilà. Bon, allez, let's go. Let's go. J'ai pris un gros bout là quand même. Même début amer. Il y a une goutte qui a pop là. Oh, il est plus fruité. Oh là là. Oh, c'est très piquant. Ça va ou pas? Bah là, ouais, grave. Carolina Reaper, tu l'auras fait. Je l'aurais fait. Mais Ah, il fait très mal par contre. Hein. Il fait moins mal que celui d'avant, je trouve. Ah ouais, non, bah, celui d'avant j'ai trouvé. Que pour le moment, il fait rien. J'ai trouvé tranquille celui d'avant. Non, il fait rien, calme-toi quand même. Tu veux manger 2-3 graines là? Je crois pas, hein. Mec, il brûle, non, vraiment. Oh là là. Là, ça fait rien là. Bon, va falloir qu'on aille taper les graines. Hein. Mec, ouais. En fait, si tu le prends en entier, ça doit être invivable. Là, ça va piquer, je le sens que ça va piquer. La pile, là, sérieusement là. Laisse-moi 2 secondes. Non, là, je suis désolé, je craque pour la première fois. C'est trop, c'est vraiment abusé. Non, mais là, c'est passé là. C'était vraiment. Fulgurant. Ah mais c'était volcanique, le mot c'est volcanique. Ouais. Moi j'ai trouvé les Trinidad Scorpion, Naga, c'est juste pour piquer quoi. Les meilleurs dans les plus forts c'était les deux derniers. Carolina Reaper était bon. Et moi j'ai trouvé le piment indien, le Bujoka, c'est un de mes préférés pour l'instant. Le concept était sympa, j'ai évité d'aller trop dans l'extrême parce que je voulais pas faire mal, je voulais pas me mettre dans le mal. Mais honnêtement là, ce qu'on a tanké en piment là c'était quand même vraiment avancé. Hein, parce que tout ce qu'on a mangé depuis tout à l'heure, ça commence à faire énormément de capsaïcine là c'est abusé. Là. Attends, qui a une Darbuka? Attends, faut que j'aille jouer de la Darbuka, c'est vital. Oh là là, oui! Oh là, regarde, c'est là pour ça. Quel homme! Merci. C'est quoi cette histoire de piment? Parce que je suis arrivé tout à l'heure et j'avais plein de DM qui me disaient, de ma commune, surtout tu ne vas pas voir Sardoche, tu ne manges pas ces piments. J'ai sélectionné 15 races de piments. En fait, j'ai même prévu, si tu veux, des cartes. Et tu peux tirer au sort une carte et avoir du chocolat au piment qui est pas du tout piquant. Est-ce que je peux tricher et tirer le chocolat au piment? Ouais, attends, prends une carte au hasard. Voilà, parfait, hop, nickel. Alors, bon. Au hasard. Ouais, vraiment au hasard. Hein. Genre, ouais, donc totalement au hasard, je prends une carte voilà. Totalement au hasard qui pourrait être celle-là, ouais. Par exemple. Voilà. Alors moi, le rêve, ce serait chocolat au piment. Ouais, Carolina Reaper. Putain, c'est pas de chance. Non, je rigole. Bah du coup, attends, je rigole. Souvenez-vous, fin octobre 2021, c'est Sardoche qui m'aura sauvé de la famine. Bah, avec grand plaisir. Tous les sous que t'as déjà collectés. Ouais, c'est incroyable, 48 000. C'est un champion, quoi. 48 000 euros, quoi. C'est une belle communauté. Après, le donation goal, c'est je fais un sparring box contre quelqu'un qui a fait 6 ans de boxe. Mais tu vas te faire défoncer. C'est ça. Merci. Quel plaisir. Ça va, tranquille? Ouais, vous avez fait 100 000 euros de dons en 3 minutes, c'est pas mal. Hein. Je suis trop content, mais
je vais pas finir en vie. Bah là c'est sûr que c'est mal parti. Hein. J'ai pas envie de te tuer. Et j'ai envie que tu goûtes ce piment. C'est le piment le plus fort, même moi j'ai galéré. En fait la pile l'a tanké. Moi je l'ai mangé, ça m'a fait un point sous la langue. Et pendant 10 minutes ça me mettait des coups de poing comme ça. Est-ce que je suis obligé de l'avaler? Le simple fait de l'avoir dans la bouche ça va déjà t'abîmer je pense. Ça va venir après de toute façon, ça met du temps. Y'a du lait? Ouais y'a du Yoplait mais en fait c'est mieux l'huile. Vas-y ok, je peux boire l'huile? Bof. Ouais c'est déjà pas mal ouais. Il t'a faim. C'est incroyable. Mec, c'est fruité puis après c'est le volcan. Il vient plus rapidement celui-là. T'as vu? Ah ça va faire que monter. Ah oui. Ah oui oui. Tiens. Y'a de l'huile. Ça va aller Inox ou pas? Non, je comprends. Franchement, dis-toi que t'es le boss du Z-Event. Tu l'as fait pour Action contre la faim. T'auras faim toute ta vie par contre. Mais c'est impossible d'avoir zéro réact. Mais t'as zéro réact, je te donne 2000. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est abus. Ouais, ouais. Il a pris autant, un peu moins que moi tout à l'heure. Non, il a les yeux qui convulsent. 29, t'as mâché ou pas? Ah ouais, c'est le sale chien. Ah mais je te dois quand même 2000 balles quoi. Ça me fait un peu chier. Ah là ça fait. Ah mais t'es un boss hein. Et yap, ça deux. Et salut à toi. Bon, je serai votre gardien avec 0 heure de jeu. Mais là, je sais pas, je suis en perfect sur les exercices, donc je pense que ça va aller. Hein. Fais gaffe, ils font toujours la même strat. Hein. C'est toujours sur l'aile, hop, et ça revient vers l'axe. Et du coup, il y a des gros trous et ils peuvent se retrouver. Ouais, parfait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, les gars. Dans l'axe. Ça avance. Hein. Franchement, je joue vraiment. En haut, deuxième poteau. C'est propre. Oh, ah oui. Oh dommage. Je vous jure je le prends, je suis un pro des penalty. Non c'est côté qui l'a. Laissez au guerrier. Donne à Dwag. Donne à Dwag. C'est qui, c'est qui? Je pense vraiment, donne. Ok Dwag, c'est ton moment. Ok Dwag. Oh voilà. Parfait Dwag. Let's go. Let's go allez. Ouais. Let's go. Nice! Ah oui! Oh, on bat le FC Sydney! C'est un début de carrière, on a jamais vu ça! Oh! Non, là c'est bon côté, il s'excuse pour tout là! Non, là c'est fini là! Mon dieu, j'ai jamais vu ça! Bien joué, quel boss, putain! Oh, ça doit être trop chaud! C'est fait! 2 millions d'euros! Let's go! 2 millions! Let's go! Ah, je vais me faire fumer la gueule, je pourrais pas participer à la suite, c'est le dernier million que je vois. Sardogne! Wesh! Tu as eu les 50 000 euros de dons pour notre sparring, c'est bien ça? C'est ça. 50 000 toi aussi? Pas encore. Pardon, je suis sûr que tu es prêt maintenant pour faire le sparring. Maintenant? Oui. S'il y avait 15 000 en 10 minutes, c'est sûr. Les refs, c'est maintenant, c'est en train de s'actualiser, peut-être qu'on les a fait en 10 minutes. Oui. Sardèche. Oh mon dieu. L'avènement des rois est enfin arrivé. Bah là, il y aura deux gagnants. Non frérot, je pense qu'un seul de nous deux va rester en vie après ce combat des... Il en restera qu'un. Mais un de nous deux pourra pas assurer demain frérot. Je suis devenu streamer pour ce moment là frérot. J'ai été créé pour ça carrément. Si j'arrive à te vaincre pendant le combat, ils veulent que tu t'appelles plus Sardoche mais Suleiman. Peur vient de m'envoyer un SMS, il m'a dit il faut que tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sais pas ce que ça veut dire mais c'est peut-être le message shonen qui fait la grande différence dans le combat. 55 kilos. Plus 70. 70 ouais, corps très compact. Oh là là. Il a déjà impressionné l'ennemi. C'est mon premier combat en pro. J'ai jamais combattu en pro, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'acquérir assez vite. Hier, j'ai mon premier sparring. Il aurait fallu 3-4 années de plus pour peut-être avoir une chance ce soir. Est-ce que ton expérience sur la faille peut t'apporter quelque chose ici? Je pense que certains de mes match-up avec Cassiopeia m'ont beaucoup aidé. C'est parti. Le foie. Voilà, crochet du gauche dans le corps, petit blanc. Tap. Il faut que tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, grattez pas encore, voilà. Flash in. Oh la gauche. Oh la gauche. Ça, c'est parfait. Il en parle.
Ricardo Silva. Santos qui cherche un peu le crâne. Il reste 5 secondes. 5 secondes, prenez tout. 5 secondes. 5 secondes. Attention. Pardon. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bien joué. Bien joué, les deux. Il pourrait y avoir une revanche demain peut-être. Ok, ok. Dans des conditions plus sérieuses parce que... Ouh là 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 là, il y a une exclusivité. Ouh là là là, j'ai entendu revanche dans quelques mois dans des conditions plus sérieuses. Est-ce que ça voudrait pas dire un combat IRL dans un vrai gymnase? C'est ça. Avec public et billetterie, ça. Let's go. Les refs, rendez-vous à Levallois-Perret. Au gymnase. T'as déjà tout setup. Il m'a laissé me battre, hein. Il a été trop sympa, il m'a vraiment pas attaqué. Mais il mettait un peu de pression, mais... Je sais pas, c'était sympa. J'ai pas mal de choses bien qu'ils me tiennent à cœur. En fait, actuellement, je pense que tout ce que j'avais prévu, ça s'est super bien passé. Je pense que tout ce que j'ai fait, ça m'a fait plaisir et ça m'a rendu heureux. Sur Solary Télévision, je vais être sur le tapis de course. Et sur le tapis de course, je jouerai à un jeu qui s'appelle Getting Over It. Vous pourrez faire des dons pour que la vitesse du tapis augmente. Je ne m'en vais pas du tapis tant que je n'ai pas fini le jeu. Est-ce que c'est bon ou pas? La légendaire run, c'est maintenant. Ce que vient de me dire Sard, c'est s'ils sont trop lents, ça va être expéditif, faut qu'ils se dépêchent de faire des dons. Ok, ok. C'est vraiment. Sardoche est un speedrunner, donc il va fumer la run, donc faites très vite. Oh là là, c'est le world record de Sardoche. Oh là là. Attention, parce que là c'est dur aussi. Let's go. Il est trop chaud. Ok, j'en ai un chap. Oh, 100 balles pour augmenter. Oh, 100 balles. Augmenté de la barre de Anivia. Oh là là, frappé en plein cœur. Let's go. Oh. Oh. Et il le fait. Remonte. Oh là, oui. C'est free, c'est free, c'est free. Ah ouais, Sardoche, c'est incroyable. Honnêtement, je suis bluffé. Oh putain, c'était trop dur. Oh, c'était le truc le plus dur du Z-Event. Me voici en pleine forme. J'ai un petit peu dormi pour cette matinale au sou. Merci Kidra pour les 7 euros. Un chasseur sachant chasser. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Merci. C'est maintenant là, c'est après là. Okaeri nasai. Oi debui. Let's go! Bravo à tous! Évidemment, ne vous reposez pas sur vos acquis. Ce serait ridicule. Mais vous allez vous sortir les doigts du cul pour la fin de ce stream, je vous le dis. Préparez votre numéro de carte bleue. Votre carte bleue avec laquelle vous allez faire le don, là. Vous la mettez à côté de votre clavier. Comme ça, quand ce soir, je vais vous dire, faites un don. Elle sera juste à côté de vous. Vous aurez juste à cliquer et à rentrer un chiffre. Et c'est réel, hein. Parce que vous êtes des petites merdes comme moi qui faisons tout au dernier moment. Je vais vous faire quelques maps. C'est parce que j'avais envie absolument à ce Z-Event de faire du Guitar Hero. Ah oui! Le level est présent! Ah, t'es là toi? Ah, j'ai la pression! Ah, le solo est incroyable là! Le solo est vraiment incroyable! Ok, ça va être dur là! Ça va être très dur! Ça passe hein! Mec, je disais que mon premier stream de ma vie, c'était sur Guitar Hero pour un live Facebook à 4 viewers en 2005. Ça passe! C'est du 5 étoiles quand même! Eh oui! Ça s'oublie pas, c'est pas le vélo! Bon bah c'est clair, c'est pas ouf, mais bon. Ici s'achève la matinale au sous Guitar Hero. Un mec ultra méga stock! 108 euros! Zemmour, ce BG! Intergalactique! 2 euros, j'ai rajouté Intergalactique, ça a été pas. Merci beaucoup Sardoche Ebo! Merci Clément! Je remercie encore une fois Sardoche Ebo! Merci BBTC! Je remercie encore une fois Sardoche Ebo! Merci pour les 1 euro! Merci ce fils de pute de boulanger pour le 10,48€! Les gars, n'oubliez pas, vous aviez prévu de faire livrer 60 balles de bouffe demain ou 30 balles de bouffe ce soir. Dites non, petit jeune de 12 heures. Vous allez permettre à une famille entière pour 30 balles de se nourrir pendant un mois. Oh, 1000 balles de la défiscalisation de droite. Prends ça dans ta gueule, Jean Massier. Je vous explique rapidement le principe de la run. Bah, je joue qu'à la guitare de Guitar Hero. Normalement, je devrais jamais avoir besoin d'utiliser ma souris, a priori. Le médiator me permet de tourner la caméra. En levant et en baissant la guitare, je peux descendre et monter la caméra. Allez, oh c'est magnifique, putain, je joue bien le fight là. C'est bon, j'ai compris comment on doit jouer. Let's go, putain, oui.
merde là. La roulade est parfaite. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais je suis incroyablement fort. Let's go. Bon, je l'ai first try, mais c'était un petit peu fastidieux quand même. Oh, il a pris un coup. Hein. Ça a touché. Mais c'est fait. C'est first try, bien sûr. C'est pas Volnir qui va m'emmerder quand même. J'ai évité de crever non plus. J'en ai vraiment rien à foutre là. Ah, mais j'ai aucun respect en fait. Aucun respect pour ce boss. J'arrive. Non mais là on est avec C'est l'élite. Là c'est l'élite. Tu fais aussi la danse, quoi. Bien je fais danser avec Star, ouais, l'année prochaine. Ah ouais, ouais. Magnifique. Oh mais ça c'est un truc qu'on connaît ça. On va faire péter le déhanché là. Ah, c'est que ça. Kena Kena. Bam 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 bam. Wouh. J'adore. Ok. Quand je vais avoir le max de points à la fin, ça va être incroyable. Je rentre un 4 là-dessus. Purée. J'ai peut-être pas un très bon score. J'ai 4 étoiles. Comment ça, voilà. Je suis dernier. Bah, j'ai 4 étoiles. Mec, j'ai respecté parfaitement les moves de la Corée. T'es trop fort. Et oh, les amis, en direct d'une performance musculairement irréprochable. Un nouveau record a été établi aujourd'hui sur Just Dance. Est-ce que c'était une surprise? Non, personne n'a douté un seul instant. À chaque fois que j'atteins un goal sur mon live, ouais, je fais péter une piñata. Il y a des piñatas pour le million, il y a des piñatas pour mon live. Ok. Et je te propose d'en péter une. J'ai une chance de tuer quelqu'un ou pas? Ouais. Ok, bon, c'est marrant aussi. Hein. Encore. Un dernier. Let's go. Voilà. Encore. J'ai failli lâcher la batte, mais à un pixel de l'écran. J'avais ma main, je l'ai senti partir la batte, j'étais en mode... Non. Je serrai de toutes mes forces pour pas qu'elle m'échappe des mains. Oui. 98. Allez, encore 99. Oui. 99. 99. Allez, 4 millions. 4 millions. Let's go. Oula. Oh, mais c'est impressionnant. Là, il y a du travail. Hein. Ah bah là. Oh non, ça passe pas celui-là. Un partout. Il n'y a rien de farfelu dans son geste. Il vient chercher max puissance. Ça vient de l'épaule. Non, vraiment, Sardoche m'impressionne au ping-pong. C'est pas à mes habitudes de le complimenter, mais là, ça serait de mauvaise foi de dire autre chose qu'il est très très bouillant. Mais je te mets favori. Mais mec, mais attends, il est bouillant. Non, c'est énorme là. Non, mais c'est énorme ce que ça est en train de mettre. Je suis tellement content de pas être Billy. C'est ça. Balle de match. Oh, Billy qui a été très très fort, mais ça a pas suffi contre Sard, le monstre. 11 points gagnants. Je les ai pas vus jouer moi encore. C'est l'occasion de voir un petit peu. Ça joue très proche du filet. Un partout. Premier service, Sardoche. Wouah. En plus, les deux... Wouah. Oh, la carotte qui passe. Oui. Montre-lui que va falloir batailler pour aller la prendre cette place en finale. Égalité. 7-7. Égalité, ouais. Ah, touche pas la table. Hein. Balle de match pour Domingo là, c'est ça? Ouah, Domingo qui remporte cette demi-finale. 11-8, souhaitez ma bonne chance. J'aurais aimé que je sois un meilleur niveau pour pouvoir te challenge. Il est trop fort, il y a trop d'effets, je suis trop faible. Non mais en vrai c'était trop bien. Oh, c'est fait. Je dois faire ma demande de mon sub goal là, j'en ai pour 10 secondes. Alors je fais d'une pierre deux coups déjà parce que j'ai mon trade d'excuse à 1€. Et forcément tu fais partie du thread. Faut que tu saches que j'ai été une merde dans le passé, j'étais un peu égocentrique, j'étais un peu dans ma bulle. Je ne savais pas ce que c'était de se socialiser avec des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. J'ai pu laisser m'emporter parfois mon ego dans des délires un petit peu stupides, hein, voilà. J'étais un enfant. Puis on a vécu quelques retournements de situation qui ont fait qu'on en est arrivé à faire cette émission ensemble. J'ai vécu une période difficile de 6 mois qui m'a emporté dans un tourbillon de merde, on va pas se mentir, hein. C'était très intense. J'avais pas envie d'associer cette malfaisance à une émission aussi belle et bienveillante que Popcorn. J'ai vaincu cette montagne, je l'ai gravi. Et je suis venu à bout de toute cette haine. Je me suis donné des objectifs plus grands que moi-même. Que ça serait quoi, Jean? Partir en voyage, découvrir le monde, faire du piano, des concerts extraordinaires. Trouver ce qui te plaît vraiment. Faire et... du ping-pong avec toi pendant des heures. Mais allons-y, Andreas, emmène-moi. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de te proposer déjà dans un premier temps, en toute humilité, de te demander si par
pur hasard, tu aurais peut-être une place dans ton émission pour une ou peut-être plus d'émissions sur ta célèbre émission du mardi, Popcorn. Oh là là, c'est une belle demande. Hein. Moi, je te l'avais dit, hein, la porte était toujours ouverte déjà. Ouais. Ce n'était pas forcément une volonté de ma part que tu nous quittes. Il y a clairement des moments où, de dérapage. Oui. Voilà, où... Et je m'en excuse. Non, mais c'est la vie, c'est aussi toi. C'est juste que parfois, entre ce que tu penses vraiment et ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux, etc., il y a quand même un monde. Il y a eu quelques efforts. Et c'est dommage, parce que du coup, c'est mal interprété. Mais en tout cas, moi, je te le dis, t'es le bienvenu pour une émission dans Popcorn. Avec plaisir, mon ref. Merci en tout cas. À la prochaine, je dis ça, il est juste à côté, je suis un enculé. Merci pour les 100 000 euros, ça fait plaisir d'avoir atteint ce donation goal. Bon, j'avais pas préparé mon discours, mais j'espère qu'il était clair et intelligible. Bon, alors apparemment, j'ai ma place dans l'émission pour une émission. Voilà, il va falloir faire ses preuves, hein, bien sûr. Le chiffre ajouté à la cagnotte est de... 2 100 000 euros, mesdames et messieurs. 2 100 000 euros. On est à 6 millions 7. Il y a un 10 millions possible. On va jouer en 5 contre 5. Tout le monde va avoir entre guillemets un rôle avec une condition de victoire particulière. C'est-à-dire qu'en fait, chaque équipe, il y aura un imposteur. Son travail à lui, ça va être de faire perdre la game, mais il faut pas qu'il se fasse pote. C'est trop stylé. En fait, à la fin de la partie, on va devoir voter pour le rôle de chacun. Et du coup, si tout le monde trouve l'imposteur, bah, c'est comme Among Us, quoi. Le mec, il a pas de points. Mais je dois avouer, Sardoche, tes streams m'ont beaucoup inspiré. Parce qu'il y avait des imposteurs dans ces games. Il y avait des mecs qui le hintaient discrètement. Oh, et... ah, on peut les remercier. Ouais, non, il est droit de son. Allez, là, j'arrive. Mais ça qui est dans les neiges. Oh, j'ai tellement oublié. Il va. J'arrive. Il a pas de flash, hein. Camille, il a pas de flash, les gars. Il est précis de baiser. Encore. Oh oui, clef, toujours clef. Ok, la flash. Il a flash. Il est battu, vite fait. Clef, toujours clef. T'as la clef, fumez-le avant qu'il est. Ok, bien vu. Lux. Non, prends. Bon. Je t'ai pété derrière. Ok, ouais, c'est la merde, le truc. Oh, c'est un misplay. Oh non, c'est la merde. Oh, c'est un misplay, bordel. Mon jeu a été fermé. Non. Oh, c'est un énorme misplay. Oh, c'est quoi cette merde? Oh, c'est le bonheur. Oh, je suis désolé, non, pour le coup. Je trouve ça bizarre quand même. Ok, il lui crache dessus. Dégoûté. Okay. Voilà, l'imposteur. Voilà, il est pas imposteur. Désolé, oh, il prend me tuer. Oh là là, le kill. Oh non, je suis une merde. C'est bien, non, mais s'il te plaît, je viens de merde, je suis mort. T'as déjà un bleu. Il a besoin, il est ce genre. Il a perdu sa monture, c'est bien. Ça arrive fort. J'arrive. Ça arrive fort sur Wax, dans le cul de Wax là. J'arrive. Dans son cul là. J'ai bien vu. Voilà. Oh, j'ai été bon là. Attends, barre-toi, barre-toi. Non, Chap, je te vois, t'es une honte. Non, c'est obvious. Mais t'es tellement obvious. En fait, c'est même pas drôle la game parce qu'on sait que t'es un imposteur à 100%, genre. 7 millions 7 millions 7 millions Let's go. Je vais le tuer, Chap, laisse-moi le kill, s'il te plaît. Pourquoi t'as fait demi-tour, Chap? Chap, te fout de la gueule du monde. Pourquoi t'as fait demi-tour, Chap? T'es sérieux ou pas? Bizarre. J'ai pas beaucoup de vie, je flash vite sur son dégât. Vraiment. J'ai raté mon flash. T'es minable, je te mens pas que vraiment. Oh sa mère. Je te regarde Sardoche. Il est trop fort. C'est le meilleur joueur. Tu laisses pas avoir, attention, cette TP. Il est trop fort. Il est trop fort. Oh putain, il m'a surbaisé. Oh, le temps de 1000. Oh, mon héros, 11 111 euros. J'ai mon flash. Je tuerai Lux avec ce flash. Pile. C'est fait. Elle va mourir. Allez, tu l'as. Oui. Let's go. C'est bon, c'est fait. On le fait. Pardon, putain, désolé, je l'ai pas vu. Ah, on n'avait pas de base en fait. C'est dur. J'avais un poster. Les gens étaient sûrs, je suis trop con, j'y ai pas cru. Mais bien sûr qu'il est imposteur, il a pas joué la map de la game. Oh, 125 000. On l'a fait. On part à Guérande. J'ai revu un don de Monero. Il a redonné 1100 balles. 1111 euros, ça fait 13 333. Il est donc actuellement à plus de 10% de ma cagnotte totale, ce petit con. Oh non, il a redonné 1100 balles. Monero, 14 444 euros. Qui dit mieux? Absolument personne en fait. Parce que personne n'a autant d'argent dans tous les streamers, de tous les viewers réunis. Ça n'existe pas en fait. Il y a Andrea derrière moi, c'est vrai. Je vais voir Andrea, je vais lui dire je suis Andreas. My name is Andreas et je vais lui donner un piment. Je vais lui donner mes piments à Banero. Les amis, la fille du Mexique veut tester le Carolina Reaper. Oh, c'est pas possible. Yeah, because it's part of my country and my part of my culture. So I will scale this way, this one first. Okay. Which is like candy for you. Okay, if I die, you're still in Ox. This is my fault. It's punchy, but it cools down very fast. But it's really tasty. Je vous avais dit que les Mexicains c'était des fraudes en piment, mais on va le découvrir tout de suite. Je le savais depuis le début. I don't think I'm gonna make it.
my only Mexican. Okay, maybe I'm gonna die. This is really spicy. It's fine? It's fine. The other one was more spicy. Okay. Oh, Sardoche, il est en train de pécho la tirée. Mais oui, j'ai vu, c'est un baiser. It's hard. Yeah, ah, I'm trying. Attends, mais oui, c'est improbable. Bah, je fais la dégustation. T'es un croc, Ok, ok, let's do it, let's do it. So, actually, you're fighting for the pride of your country. Wow, okay, I'm impressed. Oh my god, that's huge. Yeah, because it comes after. Oh my god. Yes. Oh god! Oh, 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 oh yeah! I'm gonna go for more water. Thank you for inviting me. Non, ok, je retire ce que j'ai dit, elle est forte. Non, franchement, c'est beau. Alors là, on va enchaîner sur autre chose d'encore plus incroyable. Une conversation avec le maire de Guérande. Bonsoir, tu vas bien ? Bah, ça va super, franchement, on passe un très bon moment en ce moment-là. Félicitations à toute la communauté, bravo à tous pour votre action. C'est génial, donc je vais avoir l'occasion de vous accueillir à Guérande. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment exceptionnel parce que c'était une super idée de Donner un Chocolat au final. Et ouais. Bah, ça a quand même aidé à pousser les dons, tout le monde était super hypé. Mais j'ai trop adoré le côté ultra passionné parce que vous avez l'air de vraiment adorer votre région. Ah ouais, et puis le territoire, enfin, c'est un patrimoine superbe dans un environnement totalement magique et puis avec un savoir-faire artisanal exploité par les paludiers. Donc j'ai hâte de te faire découvrir ce cadre de vie là. Ouais. Ça va se faire, je pense quoi, que ça sera plutôt en juin, Sardoche, ouais, parce que ça sera la récolte du sel et puis mon hiver. Donc je te mettrai dans ton univers, dans ton royaume. Je n'ai jamais pu mettre les pieds dans mon royaume au final, c'est ça qui est fou. Bah merci infiniment pour ça, c'est une des choses qui fait que ces événements n'ont aucun sens et on en a énormément en même temps, c'est toujours très drôle. Et ce serait un plaisir de faire quelque chose en plus avec potentiellement des fournisseurs sur plage et des idées de fou. On tiendra, on ramassera le sel tous les deux. Ah oui, c'est parfait. Ah, c'est incroyable, il est légendaire. Il se passe trop de choses, mais j'arrive même pas à mémoriser tout ce qui s'est passé dans Z-Event. 8 millions d'euros, bordel! 8 millions! C'est pas possible, 8 millions! Oh, on a fait tellement vite par contre. 150 000! Oui, c'est fait! Oh là là, c'est pas possible. Oh, j'y crois pas. Je pensais pas vraiment, je vous dis honnêtement. Attends, 35 000 viewers, tu vas me dire que là, je peux pas être à 60 000 dans genre 30 secondes. Non. Je reviens, je vais faire un don de 5 000. Bah oui, mais là. Quoi? Il veut faire un don de 5 000 balles. Amine, what the fuck? Non mais attends, Amine, mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Amine, il a fait 5 000. Quoi? Alors peut-être, je ne sais pas. Oh, 200 000, c'est fait! C'est fait, 200 000 euros! Oh, c'est pas pour. Oh, j'en reviens pas. Voilà, j'ai un nouveau donation goal à 250 000 euros. Je m'engage à faire 20 pompes devant vous. Est-ce qu'on va atteindre ce donation goal? Est-ce qu'on. Mort, comment ça, mort? Mais on a 200 000. Tu as déjà donné 21 000 euros, Monero. Tu es donc à 22 000 euros de donation. Qu'est-ce que tu fais, Monero? C'est le malaise, là, un peu, hein. Moi, je vais faire une contre-soirée Smash avec Étoile, Amine, Jiraya et compagnie. J'avoue que j'ai bien envie de profiter de ma fin de Zen Event avec d'autres personnes. J'avais envie que mon stream se finisse sur moi qui vous remercie à 10 000%. Je pensais jamais faire 200 000 euros. Il y a eu des gros donateurs, mais globalement, c'est full don de 7 euros. Hein. J'ai plein de souvenirs dans la tête, plein de trucs à raconter. Je sais même pas si ça va être possible de faire un best-of, tellement c'était bien. Merci de vous rappeler de ça toute votre vie. Incroyable, juste incroyable. Vous pensiez avoir tout vu, vous pensiez que ce troisième et dernier jour du Zen Event, vous ne pouviez plus voir plus de surprises. Plus de happening et plus de dénouement. Sardoche s'est avancé, la flamme dans les yeux, les flammes dans les deux yeux de fête. Il a témoigné et s'est exclamé d'ailleurs haut et fort dans l'assemblée. J'ai le meilleur NES de ce Z-Event Ponce. S'est alors retourné, l'a toisé de haut en bas et lui a dit « Ah ouais ?» Eh bien, 24 si t'es un homme. Cette bataille va donc décider de l'ultime NES. Là, il y a quelque chose à jouer parce que 123%, ça veut dire qu'il a beaucoup de rage effect. Donc, sick, il a la bonne chose, la bonne performance. Est-ce que la ride? Non, il ira pas plus loin. Balance, bon, il prend un risque de fou. Pourquoi? Pourquoi faire ça? En direct, c'est risqué ça, mais il sait qu'il peut aller le chercher. N'importe laquelle. Oh, par contre, ça c'est pas ponce. La DI était dégueulasse. Ce qui veut dire que la ponce, il a peut-être quelque chose à jouer. Non. Il a loupé. Et le premier game qui est à craquer. Tournoi. Non, pas un tournoi par contre, mais. Oui, c'est. 20 minutes. C'est. Comment ça, c'est faux? Oh, c'est super. Qu'est-ce que c'est bien joué? C'est bien vu. C'est bien joué. Il l'a gimp. Exceptionnel. Ponce et Sardoche. Non, mais vous avez vu la phase d'avantage de Sardoche là? Oh, c'est grave. Là, Sardoche, il est très très fort. Il est doué. C'est son manoir. Et Sardoche, tu sais que normalement c'est free. S'attaque un petit peu. Oh, c'est précipité. T'as un deuxième saut. Deuxième saut. T'avais un deuxième saut.
C'est pas grave, un partout, c'est ce qu'on veut. Il essaye, mais pousse. Il est là. Ouais, ça touche. Un repère, il est mort. Oh, il essaie. Alors là, attention, c'est très serré, hein, c'est très serré. Là, on a un backstraw du bonheur. Wow. Oh, le up smash. Oula, à 140%, bien joué d'abord. Oh, c'est bien joué. Voilà, ça c'est bon. Ça tue. Mais belle avance, hein, belle avance de la part de Sardoche. Et oui. Oh là là, bien joué. On rappelle que celui qui perd se fait raser les cheveux, mesdames et messieurs. C'est vrai. Et ouais, encore une fois, let's strap. Oh, non, il revient. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage, du drift. Oh, ce qui avait plutôt bien géré. Et bravo.